Eric, mission accomplie avec Viking Duval. Ouais, ça s'est super bien passé, j'ai eu la course de rêve, bien ramené jusqu'en pleine la ligne droite et le cheval une nouvelle fois bien sprinté. Vous l'avez drivé en confiance, on vous a vu le long de la corde en début de parcours. Je m'étais trompé de cheval en partant, je croyais que c'était Jean-Pierre Dubois qui était en tête, donc j'ai pensé qu'il fallait aller chercher son dos et quand je me suis aperçu que c'était celui à Pierre Verkuis, et pensé qu'il fallait changer de dos et j'ai eu l'opportunité devant les tribunes. Et après ça s'est bien déroulé. C'est quand même un drôle de cheval. Non, c'est un très très bon cheval. Après, il reste les meilleurs V de la génération à affronter, mais j'espère qu'il figurera aussi contre eux. Qu'est-ce qui vous fait rêver? Oui, on rêve tous d'avoir un Viking Duval dans son écurie. Bon, je l'ai, c'est à moi maintenant de faire attention et que le cheval aille loin. Et on va tout faire pour, toujours. Jean-Étienne Villeroy vient de se classer deuxième. Eh ben, le cheval a couru extra. J'ai fait un peu petit bras parce qu'il avait toussé un peu il y a une semaine. Donc le résultat aurait peut-être pas été différent. Le cheval qui gagne est vraiment très bon. Le chrono est excellent. Le chrono est bon, très bon même. Ça se rapproche du temps des meilleurs, donc c'est bien. Il vous surprend ce cheval-là? C'est-à-dire qu'on l'avait estimé bon et puis après il nous avait déçus, il avait fait que des mauvaises perfs et puis tout l'hiver il avait été pas terrible et puis là c'est pas mal ce qu'il refait, donc ça paraît plutôt sur la bonne voie.